Si toi aussi tu veux avoir un magie rêve et que tu ne sais pas comment faire, eh bien tu es au bon endroit. Laisse-moi te rappeler que je fais un tirage au sort arrivé aux 4000 abonnés. Je fais gagner justement un an de Nintendo Online. Pour participer, c'est très simple. Il te suffit simplement de mettre un petit pouce bleu, t'abonner, la cloche de notification et d'attendre le tirage au sort. Sans plus tarder, je vais te montrer comment faire évoluer ton feu fou rêve en magie rêve. Let's go. Comment avoir un magie rêve? Vous allez voir, c'est très facile. Cette vidéo peut paraître totalement bête, mais elle peut servir à énormément de personnes. Pour avoir un magie rêve, déjà, il nous faut un feu faux rêve. Et pour avoir un feu faux rêve, il y a deux manières de l'attraper. La première, c'est si vous êtes sur Pokémon Écarlate. Malheureusement, elle ne fait pas partie de votre édition. Il faudra le faire en échange sur le Poképortail. Et deuxième manière d'attraper un feu faux rêve, eh bien, ça sera sur la version Pokémon Violet. Je vais vous montrer où il se trouve directement dans le Pokédex. Let's go. Du coup, nous sommes sur le Pokédex et nous allons chercher du coup le feu faux rêve qui est le numéro 114, qui est juste ici. Hop, on va l'ouvrir et on va regarder où se trouve son habitat. Alors vous allez voir que son habitat se trouve quasiment sur toute la map, enfin du moins une grande partie de la map, c'est la zone jaune orangée. Et vous allez trouver un feu faux rêve donc dans cette zone-ci, et il n'apparaîtra que la nuit près des étangs. C'est là où vous allez avoir plus de facilité à le trouver. Maintenant que nous avons attrapé notre feu faux rêve, il faut le faire évoluer en magie rêve. Et pour le faire évoluer, il faut simplement une pierre nuit. Mais où trouver une pierre nuit? Il y a deux manières faciles pour avoir une pierre nuit, je vais vous montrer ça de suite. Alors première manière simple et efficace d'avoir des pierres nuit, tout simplement, je vais avoir besoin d'ouvrir mon Pokédex et de choper un maximum de Pokémon. En chopant un maximum de Pokémon, ici, en ouvrant mon Pokédex et en cliquant sur X, je vais récupérer des récompenses. Et à chaque fois que je vais choper 10 Pokémon, je vais récupérer une récompense. Et là-dedans, vous avez déjà des pierres nuit. Deuxième manière d'avoir une pierre nuit facilement sans s'embêter à attraper des Pokémon. Deuxième manière d'avoir une pierre nuit facilement, on va ouvrir notre map et on va dézoomer un petit peu. On va monter tout en haut et nous allons spawn directement à Frigao. On va se rendre à Frigao et on va récupérer justement une pierre nuit. Une fois arrivé à Frigao, je vous invite à monter sur votre Pokémonture et suivre exactement le chemin que je vais vous donner. Donc là, vous allez sur la gauche, vous allez monter tout en haut au niveau de l'arène. Et là, vous allez passer derrière l'arène et vous allez trouver une Pokéball au sol qui est tout simplement un objet qui va être la pierre nuit. Une fois que vous avez récupéré votre pierre nuit, pour ma part c'est déjà le cas, on va aller directement dans sac et vous allez directement aller à ce niveau-ci, au niveau du petit bonbon, et vous allez descendre tout en bas, récupérer votre pierre nuit. Une fois que je prends ma pierre nuit, c'est marqué que mon Pokémon feu faux rêve est apte à la prendre. Je la prends, je l'utilise et je vais la donner directement à mon feu faux rêve. Et là, magie, mon feu faux rêve évolue en magie rêve. Voici comment attraper magie rêve facilement. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, mais il fallait le savoir. Évidemment, cette vidéo était simple et efficace. J'espère qu'elle vous aura servi à quelque chose. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.